Salut la compagnie. Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto ouverture de porte par la pensée. En fait, pour ça, vous avez besoin de votre parole. Donc, si vous êtes muet, vous pouvez pas le faire. Enfin, quoique, en fait, non, je dis que de la merde. Non. Si, en fait, juste avec le geste, ça devrait fonctionner normalement. Mais c'est vrai que même si vous êtes muet, ce serait mieux de faire un petit geste de la. Enfin, le murmurer de la bouche. Ben voilà, quoi, je dis que de la merde, je vais arrêter. Vous avez besoin de votre parole et d'un petit geste de la main qui est fort simple, c'est juste de faire ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer incessamment sous peu comment faire. Vous allez voir, c'est très simple et ça vous octroiera une certaine classe. Vous aurez la méga classe après ça. Vous ne pourrez plus passer une porte comme celle-ci sans faire ça. Bon, je vais vous montrer l'exemple. Enfin, je vais vous montrer comment faire. Et c'est parti. C'est parti. Bon, déjà, faudrait que ça soit pas ouvert. Ah oui, j'ai sûrement oublié de le dire, mais qu'est-ce que je voulais raconter d'ailleurs? Bon, chier. Faut pas avoir peur de se prendre la porte dans la gueule en fait. Voilà. Sésame. Sinon l'alternative, sésame. Et voilà. Bon. Là, ça va être un peu plus dur. Il va falloir que je le fasse monter. J'ai jamais essayé encore. Ça risque d'être un peu plus chaud. Il va falloir que je fasse appel à la force. Allez, que la force soit avec moi. Ça fonctionne. Oui, oui. C'est qui le patron? C'est moi. Voilà, allez, sur ce... Hasta la muchos.